Launch authorization received. Eh bien salut la gang, c'est Taco et on se retrouve pour la troisième vidéo de la campagne de Star Wars Battlefront 3. Alors avant toute chose, je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël, parce que normalement cette vidéo va paraître le 24 décembre, je ne sais pas à quelle heure, mais en tout cas si vous la regardez ce jour-là, joyeux Noël, et pour ceux qui la regardent après ou bien après, eh ben salut. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur Kashyyyk. Oui, non, avant aussi, je voudrais dire, j'ai créé un compte Twitter, j'en parle à la fin de la dernière vidéo. Mais, enfin voilà, c'est juste pour dire, vous pouvez me suivre, hein. Je connais pas vraiment Twitter, je m'y mets, et du coup, c'est juste pour vous permettre de vous rendre compte un peu... vous permettre de suivre les publications de mes vidéos. Par exemple, j'avais mis que l'épisode 2 allait paraître, au lieu de paraître le mercredi, allait paraître en fin de semaine parce que j'ai des problèmes de connexion. Donc voilà, des choses comme ça permettent de savoir aussi, peut-être je dirais, quand est-ce que j'enregistre précisément et quand j'uploaderai mes vidéos. Voilà, voilà. Donc c'est tout. Donc là, on est sur Kashyyyk. On va passer ça parce que c'est un combat aérien. Intergalactique dans l'espace, et ben on a déjà fait un dans les vidéos précédentes et ça se ressemble vachement. J'en referai un plus tard. Là, on va passer, ça sert à rien de refaire un. Hop là, donc là, on va se retrouver sur Kashyyyk, sur le sable directement. Une raffinerie Wookiee fortifiée demeure le dernier rempart contre l'invasion de la planète par les droïdes. Cette mission, je me rappelle, elle est géniale. Allez, c'est parti. La 501ème a renforcé les défenses Wookiee près d'une raffinerie d'importance stratégique. Le maître Yoda lui-même coordonne les opérations. J'ai pas encore eu le temps de lire la suite. À notre arrivée sur Kashyyyk, ça sentait déjà le roussi. Les droïdes étaient 5 fois plus nombreux que nous. Leur puissance de feu était largement supérieure et tactiquement, ils avaient l'avantage. On s'attendait vraiment pas à ce que ce soit les Wookiees qui nous sortent de ce pétrin. Hein? Bien sûr, on avait entendu des histoires à leur sujet, mais on n'avait jamais combattu à leur côté. Et on ne les avait jamais vus démanteler un droïde à main nue. Ah, ça, on a été bluffés. Quand j'y repense, c'était vraiment une mission suicide. Du moins jusqu'à l'arrivée de Maître Yoda, là, c'est devenu un combat équilibré. Oui, donc les droïdes sont censés être bien supérieurs en nombre, ça va être la galère. Mais on a les Wookiees avec nous, ils sont bien balèzes. Pas d'excuses. Oh, vous savez ce que c'est No excuses, pas d'excuses. Enfin, c'est comment dire. Attendez, déjà, on va prendre... Voilà. Ouais, pas d'excuses. Ah merde. Oh, ça fait mal. Ouais, ça fait plutôt mal. Bah écoutez, en fait, je vais pas prendre ça. Je vais prendre celui-là. On va faire simple. Ouais, donc pas d'excuses, en fait, c'est pas une citation. J'arrive pas à trouver le mot que je vais utiliser. Une devise. Voilà, la devise. C'est la devise des Canadiens de Montréal, l'équipe de hockey, qui dans leur vestiaire, dès qu'ils sortent de leur vestiaire, il y a écrit en haut: pas d'excuses. En clair, vous perdez le match, il n'y avait pas d'excuses, cherchez pas d'excuses. Je trouve que cette phrase est super cool. Enfin, comme devise, c'est super. Voilà, petite parenthèse de hockey fermée. Maintenant, on va se concentrer. Donc là, ça va être super compliqué. Faut tenir 1 minute 40 en étant assailli par des droïdes qui sont largement supérieurs à nous en nombre et qui n'arrêtent pas d'arriver par ce côté-là et par là-bas aussi. Il me semble. Ils ont aussi des gros trucs, ok. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va dégommer les gros machins, parce qu'ils sont en train de dégommer le mur, et ça, je suis pas d'accord.
trop tard, mon gars. Hop là, toi pareil. Ouais, vous voyez, il dégomme le mur. Les petits fourmes. Et on va en avoir besoin après. Si je me souviens bien, on va devoir défendre le camp Wookie. Voilà. Donc bon. En niveau clone, on est moins nombreux. Mais faut dire que... il y a quand même les Wookiees avec nous. Et c'est quand même des grosses brutes. Ils sont super balèzes. Il y a plein de droïdes par là. Genre, attendez, j'ai... voilà. Ouh, j'ai failli. Ouh, toi, par contre. Toi, on va te dégommer. Ouais, donc j'espère que Noël va bien se passer pour vous. Que... bah, que vous fêtez Noël, pour ceux qui m'écoutent. Ce serait... un peu bête si c'était pas le cas, hein, quand même. Hop là. J'espère que tout va se passer. C'est quand même le moment, un des moments préférés de l'année. On se retrouve en famille. Hop, et qu'on reçoit tous les cadeaux qu'on a voulu. Donc j'espère aussi que vous auriez, je ne parle pas très bien français, que vous aurez tous les cadeaux que vous avez souhaité d'avoir. Hop là. Allez. Ok. Ok. Voilà, c'est ce que je disais. Il faut aller défendre la base Wookie. On va s'y rendre. Il reste pas un vaisseau. Si, parfait. Ça, c'est parfait. Pour défendre. Ah, mais non, attendez. Oui. Il faut d'abord rentrer dans le camp, il me semble. Sinon, ça active pas le chrono. Et ça serait quand même un peu bête, on va se l'avouer. Ah bah, il y a un vaisseau là, de toute façon. Hop là. 4 minutes. Alors, là c'est pareil. Niveau quantité de droïdes, ça va être assez impressionnant. Je peux pas sortir, évidemment, mais je me mets à l'entrée pour attendre. Ah. Oui, je suis intelligent. Mais oui, merci. Et oui, le truc qu'on va faire. Ah, là c'est bon, il est sorti. Ouais, bon, écoutez, est-ce que c'est pertinent pour le moment d'utiliser... ah si, ça y est, c'est rentré. Là, ça va être intéressant. Donc là, vous allez voir... moi, j'ai eu du mal des fois à la faire tellement il y a de droïdes qui arrivent. Mais une fois qu'on maîtrise bien ce genre d'engin, là, celui que j'ai... enfin, qu'on a le contrôle de ces engins, ça va être assez facile parce que, bon... ils font pas le poids. Jusqu'à ce qu'ils pètent la porte. Voilà, ok. J'aurais dû me taire. Et là, ils vont faire venir leur gros droïde. Mais putain, mais poussez-vous de devant moi, les clones. Parce que vous servez à rien. Allez, vous mettez derrière moi, vous tuez ceux qui passent. Au lieu de vous mettre devant moi, et le fait que je suis obligé de faire attention où je tire. Ça limite. Oh là là, là ils arrivent de plus en plus. Et puis plus ils sont près de moi, plus j'ai de mal. Parce que du coup, je peux pas leur tirer directement dessus. Voilà, ça y est, ils arrivent là pour le truc. Putain, lui m'énerve. Voilà, un détruit. Ah non, même pas. Voilà. Bon, plus que 2 minutes, on est presque à la moitié. Oh putain, il y en a encore 2 là. Ouh, ça va être dur. Lui, il est détruit presque. Voilà. Encore un. Feu nourri sur le blindé droïde. Voilà. C'est fait. Il reste qui? Ah, j'ai du mal là parce qu'il y a plein de clones et j'ai pas envie de les tuer non plus. Enfin, ce serait con. Toi, par contre, tu l'as bien mérité. Tu es là, lui? Ouais, bien joué. En fait, oui, bon, je vous ai pas montré ce qu'on a à faire. En fait, faut défendre ça. La raffinerie de pétrole, là. Bon, bah, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Elle est pleine de vie. Encore 1 minute 20. Vous allez dire que je suis un peu facile, là, dans mon truc. Bon, j'avoue, d'accord. C'est simple de faire ce que je fais. Mais,
ça permet de tenir la position, et n'est-ce pas le but aussi, hein, de tenir la position. Est-ce qu'on a dit qu'il fallait que ça soit dur? Oula. Ça pète de partout là. Oh là 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 là. Oh là là. Et je vois plus rien. De toute façon, elle va pas tarder à être explosée, ma machine. Ouh là là, ouais. C'est qu'une question de temps. Ouh, j'ai esquivé le tir. Parfait. Oh non, il y en a une deuxième. Là, faut que je me casse, je pense. Ouais, trop tard. J'aurais dû m'écouter. 25 secondes. Putain, merde. Faut pas qu'il... Ah, yes. Bon, désolé, j'ai tué un Wookie. Il s'est mis pour faire. Ouais, on va réussir, c'est bon. Allez, faut qu'on prenne tous les postes de commandement. Et on aura l'aide de Yoda en plus. Je finis juste là, je les dégage. Ouais, bon, je servis à rien, je crois. Yoda. Ok, j'ai tué un allié. Comment il s'est baissé, genre salut. Tu es tellement petit que je suis obligé de me baisser pour pouvoir te viser. C'est ça qui est bien avec Yoda, c'est qu'il bouge partout, il est hyper dur à viser. Le seul problème, c'est que des fois, il est incontrôlable, vraiment. Hop là. Et oui. Je peux faire ce super combo. Je crois que dans la vidéo précédente, ça marchait pas tout le temps. Enfin, j'y arrivais pas. Genre à faire ça. Et bah, du coup, maintenant, j'y arrive. Je sais pas ce qui... Ou alors la toute première vidéo, je sais plus. On va détruire ce truc, ça pose des problèmes. Voilà, c'est... Là, j'ai arrêté de cliquer depuis un bout de temps, et Yoda, il continue. Voilà, pareil, là, il continue à jouer du sabre. Alors que j'avais arrêté depuis un bout de temps d'appuyer sur la... sur le clic gauche de la souris. Ouais, il manque juste ce truc là, je vais attendre de prendre le camp et je vais... Quoique, ils vont peut-être s'en charger à ma place. C'est bon. Mais arrête de tourner. Voilà. Oh, pardon. Et des fois, vous êtes un peu bête. Oula, toi. Ouais. Oh, c'est pas moi là qui l'ai tué. Okay. Allez. Ah, j'ai plus de... Ok, j'ai plus de mana. Enfin, de mana. De pouvoir. Le pouvoir, si vous voyez pas où c'est en dessous du sabre laser en bas à droite. C'est la barre jaune-orangée. Donc quand on court vite comme ça, ça la fait baisser, quand on saute aussi, et quand on utilise les pouvoirs, évidemment. Putain, je suis trop petit. Allez, viens. Quand ça déstabilise absolument, d'une façon tellement efficace, d'utiliser de ce pouvoir. Oula. Oh ouais. Quand je l'ai vu, là, je me suis dit, c'est pour moi, ça. Bon. Oh. Trop cool. Ouh, oh la vache, la vitesse. Oh bah non. C'est pas drôle. Moi, j'ai pas eu le temps de m'amuser. Allez les gars, là, on s'en fout de par là, faut aller prendre le camp de commandement.
poste de commandement pour être plus clair. Putain, mais lui il garde, en fait faut y aller avec un soldat lourd ou alors se cacher comme ça. C'est bon. Ouais. Moi je suis caché. C'est fourbe, mais au moins ça marche. Mais lui par contre il va crever hein. Le gars il se fait allumer. C'est bon, on a gagné. Pouf, la grenade. Ça me rappelle Star Wars Republic Commando où je tirais n'importe où. Ah, victoire sur Kashyyyk. Pour ma part, c'est une des meilleures cartes, je trouve. C'est parti. Maître Yoda est arrivé juste à temps. La 501e a pu garder ses positions aux dépens des séparatistes. Nous étions les libérateurs de Kashyyyk. Des années plus tard, nous serions ses conquérants. Donc ouais, on est les libérateurs. Des Wookiees. Alors, Utapao, une embuscade tendue au général Grievous devrait permettre d'en finir pour de bon avec les séparatistes. Yeah. D'après les services de renseignement de la République, le général Grievous est ici sur Utapao. Obi-Wan Kenobi est déjà en route. Et on va pouvoir l'utiliser. Au fond de nous, on savait que la guerre touchait à sa fin. La galaxie retenait son souffle. Un des deux camps allait bientôt être échec et mat. Le destin a voulu que ce soit la République qui déplace ses pions la première. Le chancelier a informé le Conseil des Jedi que le général Grievous s'était réfugié sur Utapao avec les leaders séparatistes. Le général Kenobi a levé une armée suffisamment importante pour conquérir 3 systèmes solaires. C'est là que les gars de la 501e ont retrouvé le moral. On voyait enfin le bout du tunnel. Alors oui, comme je disais, on va pouvoir l'utiliser, Obi-Wan Kenobi, mais d'abord, va falloir... Ouais, va falloir faire en sorte de détruire cette droïde pour que Obi-Wan puisse se poser. C'est un peu différent du film, étant donné que dans le film, c'est Obi-Wan qui arrive en premier et l'armada clone ensuite. Et logiquement, on va avoir à affronter comment ? Grievous. Eh, tain, des fois, elle les tire de loin. Enfin, c'est un peu logique aussi. Ça, c'est dur. Ok, il y avait une mine, j'imagine que c'était ça. Ça m'a bien dégommé. Bon, je prends encore lui. Hein. Ouais, putain, j'ai failli encore oublier de faire ça. Chaque fois, j'oublie de faire ça et je suis super loin. Après, dans le combat, je suis obligé de marcher, et courir. Putain, c'est vraiment pas super fort contre ces trucs là. Oh yes, ils l'ont détruit quand même. Allez, on va prendre le camp. Allez, putain, on est plus que 12 soldats. On peut voir le chiffre en haut à gauche. En bleu. 10. Allez, ça rigole plus, on a un camp. Un poste de commandement à prendre. Toi. Putain, niveau précision, je dois être à genre 2% dans le jeu, quoi. Merde.
Bon, bah, y'a aucun droïde. Ah, ils arrivent enfin, mais trop tard. Oh oui, Obi-Wan. We'll send in a dropship to back you up. General Obi-Wan has landed on this level. He should be able to help you troopers. Ok, fallait prendre l'autre camp de commandement. L'autre poste de commandement, je mélange. Je suis comme ça. Hop là, retour de l'attaque super cheatée, je trouve. This is going better than I expected. Putain, je me fais allumer là. Oh. Faut que les clones viennent m'aider, je peux pas faire tout seul. Je peux pas faire tout seul. Bien. Il y en a partout là. By the force, General Grievous is stationed in Hangar 10. Take him out before he wipes out our forces. Ah, il y a le général Grievous. Alors là, ça va être un duel, surtout qu'il y a tous les robots qui me tuent. Ouais, on va regarder à distance le plus longtemps possible parce que bon, je pense qu'il va me dégommer. Il a quand même 2 ou 4 sabres. Ouais, voilà, je l'avais dit. Oh merde! Bon, il est presque mort, allez. On le finit, on va prendre le. Non, oui. Merde, comme ça! Ah, bah il a. Ah, bon, on l'a battu. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai encore oublié de sélectionner le camp là-bas et. Donc, encore une fois, j'étais trop loin de l'action. Et je n'ai pas pu affronter Grievous jusqu'à la fin. Attends, je recherche si tu veux bien attendre. Oh la vache! La meute! Putain, mais je suis nul. Tire au pied! Vite! Mais sérieux? Ils subissent rien, les mecs, comme dégâts. Bon, alors. Voilà. Soldat clone. C'est parti. Ah merde, attends, il me faut que je prenne ces trucs-là là-bas. Ça va être plus pratique quand même. Mais les mecs, vous venez pas? Genre, vous voulez des pop-corn? Alerte intrusion. Non. C'est parti. Ouh, j'ai esquivé celle-là. Ça surchauffe vite, je trouve. Ah oui, donc ça va permettre au gros vaisseau d'arriver si je les détruis. Toi par contre, voilà. Oh non! Taku a été tué par qui? On ne sait pas. Allez, j'y retourne. On n'abandonne pas, c'était presque fini. Eh mais sérieux, je suis nul. Eh mais. Crève. Je me ridiculise là. Je tire toutes mes balles à côté. Encore un tir, voilà. Détruire la tour ATX, il me semble, si j'ai bien lu. Je sais pas ce qu'est une tour ATX, mais on va y aller. Et c'est. Wow! Apparemment, on peut pas passer par là. Bon, pff. Je m'en fous. Je vais à pied, je prends ce machin. Wouhou, la vitesse! Toi dégage! Voilà. Ouh, j'esquive! Sans le vouloir. Voilà, c'était juste que j'avais envie. C'est presque fini apparemment, ouais. Oh, pardon, j'ai tiré en plein sur un ami. Victoire!
Obi-Wan Kenobi avait tué le général Grievous, et le raid sur Utapao avait fini d'achever les séparatistes. En d'autres circonstances, on aurait tous fêté ça. Mais en apprenant quelle serait notre prochaine mission, on était beaucoup moins enthousiastes. Ouais, victoire sur Grievous, du coup. Ils disent qu'ils auraient pu fêter ça quand même, mais bon, du coup, la prochaine mission, qui est l'Ordre 66, les a un peu foutus dans le mal. Coruscant. Et du coup, la prochaine mission sera sur Coruscant, où je pense qu'on aura incarné Anakin en mode bien vénère, avec les yeux tout rouges. Où il sera déjà devenu Dark Vador, mais pas encore en mode robotique, hein. Il sera juste Dark Vador en mode normal, il sera juste du côté obscur de la Force, avec des clones avec nous contre des rebelles, déjà, les Jedi. Donc voilà, ça va falloir attendre la semaine prochaine pour pouvoir le voir. Moi je vous dis bye bye, portez-vous bien, passez un joyeux Noël, protifez bien des vacances, et moi je vous dis à plus, salut tout le monde.